Tu nu știi, am văzut în că te iau pe tu. Au moment dat, vous allez voir, personne pourra se plaindre sans raison. Parce que je viens d'inventer quelque chose. Allô? Allô? Ce matin, à Salvador Dali ou à Avida Dollar? Je crois que aux trois, pour le même prix. Quel est le troisième? Oui, quel est le troisième? Je me le demande. Alors, de toute façon, je profite de l'occasion, puisque la télévision s'est rendue dans le salon de l'hôtel Meurice, pour constater que ces genres d'organisation, radio, télévision, etc., il se noie vraiment toujours dans un verre d'eau. Et maintenant, il vient de se noyer dans un petit verre de goudron. Parce que j'avais demandé, je ne sais pas quel était l'organisateur quand vous êtes venu avec M. Simon, j'aurais voulu tout simplement qu'on m'apporte une grande baignoire remplie de goudron. Ce qui aurait été beaucoup plus facile pour vous tous, parce que vous allez rester en plus dans la rue. La baignoire remplie de goudron, j'aurais mis un poisson que je viens d'inventer à l'intérieur de la baignoire. Alors on aurait vu s'ouvrir les fenêtres du Meurice, sortir d'Ali habillé en fourrure, avec des fourrures tout à fait spéciales, avec une canne à pêcher. C'est Avida Dollar qui vous parle en ce moment. Comme que vous n'avez pas capable de vous débrouiller pour apporter du goudron, je savais que ça serait. Alors, tout est fermé, on doit se réduire d'être assis comme des cons, tous assis dans une espèce d'appartement et tâcher de s'en sortir en parlant. Alors yeah. Maintenant, demandez-moi qu'est-ce que c'est, que pourquoi le goudron, tout ça. Il faut que je vous aide, hein. Dites-moi, M. Dali, pourquoi le goudron, enfin, essayez d'être. Je vous réponds. Et pourquoi le goudron, voilà. Monsieur Dali? Après. Le goudron, parce que justement, c'est le symbole du subsol. Vous savez qu'on extrait des profondeurs de la terre. Et c'est un élément visqueux, noir, qui symbolise ce qu'en Amérique on aime beaucoup parler l'underground, c'est-à-dire le dessous. Les choses défendues. Et maintenant je vais montrer, je vous en prie, ça c'est un des nombres utiles que je vais utiliser, ça c'est une fourchette de l'autre côté. Et alors j'avais profité parce que je viens de faire un disque, et alors j'avais toujours voulu que ce disque soit comestible. C'est-à-dire qu'on puisse manger en même temps de le jouer, oui. D'après on le déchire, enfin on n'est pas arrivé et à ça. Ce n'est pas le cas, non? C'est pas le cas, mais quand même je vais. J'aime beaucoup faire des œuvres et après les détruire, surtout celles qui rentrent dans la catégorie de la société de consommation. Je vais plonger mes disques dans le goudron et comme monsieur un boulanger, je vais l'étendre au public. Et alors le public, aussitôt que ça ne brûle pas, il peut emporter le disque enveloppé avec le subconscient du goudron, ce qui veut dire qu'après, avec un couteau, il pourra enlever l'espèce de dermo-esquelette, parce que ce qui est intéressant, c'est que tout soit recouvert par le dermo-esquelette. C'est pour ça que j'aime tellement des écrevisses, et justement j'ai pris cette cuillère d'un endroit où j'ai mangé les meilleures écrevisses de Paris.
Vous savez, les écrivistes, c'est le contraire de vous. C'est-à-dire, vous et nous, tous, nous avons les os dedans et la chair dehors. Tandis que les écrivistes, ils ont l'habitude philosophique qui est merveilleuse, c'est-à-dire d'avoir les squelettes à l'extérieur et la chair dedans. C'est comme un taxi. Si vous voulez manger un taxi, il faut premièrement enlever le décor, enlever la partie solide pour trouver la chair super fine. Et vous trouvez là, à l'intérieur, vous pouvez trouver de la chair d'avocat, de bureaucrate, et alors vous les mangez. Mais premièrement, il faut décortiquer la partie extérieure solide, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dermo-squelette. Alors là, on enlèvera un dermo-squelette mou, vous voyez le luxe, puisqu'il ne sera pas complètement solidifié. À l'intérieur, pour le même prix, vous trouverez un disque qui semble faire avec du goudron déjà dur, et alors là, pour le même prix, vous avez la résumée goudronneuse de la structure moléculaire de l'acide désoxyribonucléique. Bonjour. Bravo, écoutez. Sans ça, je voulais profiter de l'occasion pour qu'on vous dépose de votre job culturel dans la télévision, ce qui est arrivé en Amérique, parce qu'une fois, ça c'est une aventure merveilleuse, on me demande, une jeune fille comme vous, il me dit, qui c'est que vous admirez le plus? Je dis, monsieur Watson. Et alors, il a eu l'imprudence terrible de me dire, mais qui c'est monsieur Watson? Je dis, écoutez, c'est le prix Nobel de votre pays en biologie. Et vous méritiez qu'en rentrant chez vous, on vous enlève votre poste, que vous avez dans la télévision, parce que là, si une personne qui doit savoir à peu près beaucoup plus que moi, il ne sait rien, alors presque il a été foutu dehors. Vous voyez, je vous ai parlé. Alors maintenant, encore une fois, bonjour. C'est fini, non? Vous voyez que vous êtes dans votre... On fait une émission qui est une émission sur... L'avenir. Alors la caméra qui... Il faut qu'il illumine le monsieur qui se trouve là. Parce que c'est ça la définition de l'humour. C'est-à-dire l'humour, c'est un véritable cataclysme psychologique. C'est-à-dire quand il y a, par exemple, maintenant il y a ces grands événements au Pakistan, alors ça c'est l'humour. Le remords de conscience, quand il est très dense et très puissant, doit, en tant que mécanisme de défense, trouver une soupape d'équilibre. Et cette soupape, c'est l'humour, que ce soit noir, d'après ses indications. C'est Alistair Crowley, que c'est le grand ésotériste anglais, et celui qui a été le plus influencé, c'était Adolf Hitler, qui a été totalement, c'est-à-dire une grande partie du national-socialisme, est sorti des idées de ce gentleman-là que vous voyez là, avec la cravache. Et naturellement, vous avez vu que ça produit une guerre, donc une grande catastrophe de très bonne qualité, puisque nous avons eu la chance que Adolf Hitler, comme tout le monde commence à s'en rendre compte, c'était un masochiste intégral, et qu'il a fait une guerre pas pour la gagner, mais pour la perdre. Mais comme qu'il était très honnête, il ne voulait pas tricher. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas du tout se laisser vaincre exprès. C'est pour ça qu'il a emmerdé tellement tout le monde. Et qu'il a, parce qu'il a fallu, il voulait vraiment qu'on le gagne, ça oui, mais à condition que ce soit vrai. Et c'est pour ça que c'était tellement tragique, que ça finit vraiment comme le crépuscule de Dieu. Il aurait fallu vraiment de la musique de Wagner pour assister à ces derniers moments. Mais c'était le but de sa vie, c'était, comme lui l'avait prédit, c'était d'être vaincu d'une façon catastrophique et totale. Parce que vous imaginez, vous, qu'est-ce que ça aurait été si Hitler gagne? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Louer des appartements? En fait, c'était possible. Il fallait qu'il finisse d'une façon grandiose, avec l'armée russe tout brûlé, c'est-à-dire, encore une autre fois, et pour en finir, le tout à l'égout du goudron. Vraiment, je crois que vous en avez pour votre argent. Hein? Bonne chose pour vous.